Le gouvernement namibien a lancé des enchères auprès des chasseurs de trophées pour autoriser la chasse de trois rhinocéros noirs, une espèce extrêmement menacée, malgré de vives critiques lors d'initiatives semblables par le passé. Depuis 2012, la Namibie vend des droits de chasse chaque année pour tuer des rhinocéros, assurant que l'argent est ensuite reversé à des projets de conservation de l'environnement et de lutte contre le braconnage. L'année dernière, un chasseur américain avait payé 350 000 dollars pour obtenir le droit de tuer un rhinocéros, espèce menacée par le braconnage. D'après les autorités, les animaux sélectionnés pour la chasse ne sont plus en âge de procréer et peuvent représenter une menace pour les plus jeunes. En Afrique du Sud, pays voisin, près de 1 200 rhinocéros ont été abattus l'an dernier par des braconniers en quête de cornes de cet animal.